Salut, moi c'est Joanie, j'enseigne à la Sportec. Donc on va faire un petit entraînement aujourd'hui. On va commencer avec un petit échauffement, après ça je vais faire une série d'exercices avec des répétitions. Donc on va commencer tout de suite. Donc amener les deux jambes un peu plus larges, on va faire des flexions latérales côté-côté. On va simplement s'échauffer un peu avant de commencer nos exercices. Donc on allonge le bras, on garde les deux épaules bien droites. Good. On respire. Continuez encore deux fois de chaque côté. Et on relâche. Good. On va maintenant rouler les deux bras vers l'avant. On fait des grands cercles. Donc, prenez l'amplitude de mouvement qui vous convient. Super. On engage les abdominaux. Good. Allez encore deux fois vers l'avant. Et très doucement, on roule vers l'arrière. Super. On respire. Good. Encore deux. Un. Et prochain, poids dans les talons. On descend dos droit, on plie les genoux. Et on remonte, on arrondit le dos jusqu'aux épaules. Encore. On descend, dos droit, on remonte. On descend, plie les genoux. On remonte, dos droit, on déroule. Encore. Trois autres fois. Donc, inspirez et expirez, on remonte. Encore deux fois. On pose dans les talons et une autre fois. Très bien. On va marcher un petit peu. On bouge les deux bras, chaque côté. Good. On regarde droit devant, respirez. On va aller faire des step touch. Attention, dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Step touch, côté, côté. On soulève les bras. Good. On garde le dos droit, on engage les abdominaux. On va changer talon-fesse. Attention, dans 4, 3, 2, 1, talon-fesse. Hop! On bouge les bras devant-derrière. Respirez. Beau! Prochain genou devant. Attention, 4, 3, 2, 1, genou. Hop! Bras haut en bas. Et après ça, on va commencer notre série. Allez-y encore pour 4, 3, 2, 1. Super. Donc, on commence notre série. On commence avec des squats. Les jambes un petit peu plus larges que le bassin. On amène les fesses derrière. On plie les genoux. C'est parti. On pose dans les talons. On garde le dos droit. On détend les épaules. Et on continue encore. 10, 9, 8. Inspirez, expirez. 6, 5, 4, 3, encore 2, 1, good. Maintenant, fente derrière, jambe droite, on en fait 4 pour commencer. Donc 4, reviens devant, 3, on plie les genoux, 2, 1, maintenant on croise derrière pour 4, touch devant, 3, 2, 1, et on change de côté, jambe gauche pour 4, touch devant, 3, 2, 1, et on croise, 4, touch, 3, on plie les genoux, 2, 1, et on recommence, même chose, jambe droite, derrière, 4, 3, 2, 1, et on croise derrière, let's go encore, 4, 3, 2, 1, très bien, jambe gauche, derrière, pour 4, touch, 3, jambes sur deux lignes séparées, et 1, on croise, 4, 3, touch, 2, 1, et on change de côté, jambe droite, 4, 3, on détend les épaules, 2, 1, croise derrière, 4, 3, 2, 1, c'est beau, je commence à m'échauffer aussi, 4, jambe gauche, 3, détends les épaules, 2, 1, croise derrière, 4, 3, engage les abdos, 2, 1, et on relâche. Good, super. Maintenant, on va prendre le tapis. On va aller faire un peu d'exercice au sol. Donc, prochain exercice, on va aller faire la planche sur les mains et les avant-bras. On va alterner. Donc, vous pouvez le faire soit sur les genoux, vous pouvez soulever les pieds pour
pour pas être directement sur une rotule. J'ai soufflé, hein? On continue. Donc, sinon, vous pouvez être sur les pieds. On tire les talons vers l'arrière. Vous pouvez un peu ouvrir les jambes de chaque côté. Ça va être un petit peu plus facile. Donc, c'est parti. On en fait 6 d'un côté et 6 de l'autre. On engage les abdos. On regarde ça. Et c'est parti. On descend et on pousse dans les mains. Respirez. Encore 4. 3. 2. On engage les abdos. 1. Et on change de côté. Bras gauche. Good. Encore 4. 3. Pousse. 2. 1. Et on relâche. Super. Prochain exercice. Push-up. Vous pouvez être sur les genoux ou sur les pieds. Si vous êtes sur les pieds, on tire les talons vers l'arrière. On veut que le bassin soit bien droit. Pas trop soulevé, ni trop bas. On engage les abdos. On rentre un peu les coudes vers l'intérieur et c'est parti. On descend. Pousse dans les mains. Ouh! On regarde le sol. Respirez. Encore. Pour 8. 7. 6. 5. Pousse. 4. 3. 2. Et 1. Yes! Et on s'en va sur le dos. Lâchez pas, il en reste pas gros, il reste 2 exercices. On s'en va sur le dos, main derrière la tête. On engage les abdos, soulève les épaules. On rentre un peu le menton. On soulève les jambes et on allonge une jambe après l'autre. On peut venir déposer les mains sur les cuisses. Attention, on ne tire pas les cuisses vers nous. Détendez les épaules. Engagez les abdos. Good. Et on continue. Pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Super. On termine avec une planche. Yes, let's go. Donc, sur les avant-bras, on roule un peu les épaules, on détend les épaules, on peut soulever les genoux. Attention, on engage les abdos, les cuisses, donc les fesses ne sont pas trop soulevées. Et on regarde le sol. C'est parti, let's go. Respirez, respirez. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Concentrez-vous sur vous-même. Tirez le dessus de la tête vers l'avant, les talons vers l'arrière. On lâche pas, lâche pas. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh! Étirez-vous un petit peu. C'est bien mérité. Et on relâche. Good job, bravo! Donc, vous pouvez faire des petits étirements si vous voulez. Ou vous pouvez refaire la même série. Deux fois, trois fois, allez-y comme comme bon vous semble. Donc, si vous voulez suivre d'autres cours comme ça, allez visiter le site de la sportec.com/vidéo. Bonne journée!